Marie a été visitée. Ah, été visitée par l'esprit saint. C'est-à-dire qu'elle a concevoir sans que akutana na mobali nae. Mai yangwana te mupepe neta gaze tokei siko nzamba zakine lokote po akela mokilo e matiera zo wapi po mokile za la matiera zo wapi si matiere ute pa na yemo ko nzambe yango wana bandiko kela na yango mabele tinenga keli nyoso. Alors faisons l'homme à notre image, il le créa homme et femme, donc homme et femme bazali image ya nzambe na ressemblance ya nzambe. Bongo siko yo nzete nyama peza la kamosi na mobali dissipe moi sina mobalite ndekepe moi sina mobalite nyoso créa l'image à la ressemblance de Dieu. Donc nzambe o bino bozoluka nzambe za natire, nzambe za natire me boye bisangai hein soki yo sali mabe natire ko agir nakosi te boye bisangai soki yo sali mabe natire ko réagir te soko tamboli à l'encontre. Voilà lelo mindele bakoti na crise. Mindele bakoti na crise. Ba tempête, ba ouragan, ba diko kende ko beta bango. Eza nature tem te zo beta bango. Hein? Kasi boye bisanga, eza nature te. Alors, c'est quoi parce que alors toyé. Toyo kiyo? Oui, toyo kiyo. Si j'ai la pièce à bino photo nzambe. Si j'ai la mission ezali, hein? Biso ba congolais, biso to zala parce que tu as dit que crise oyo, tu zala ngonde ko, ngo to ko loba, hein? C'est aussi spirituel. Oui, parce que l'eau, oui, parce que tout ça bien, parce que l'eau va parler sur le collage de gens. Parce que on va travailler, on va parce que certaines personnes qui prient aujourd'hui croient que Baye Binzambe. Baye Binzambe, parce que Nzambe azakana likolo te. Ce que Nzambe azakana likolo, bakope sanga verset biblique, Nzambe tango asilisi kokela, amataka na likolo kwa kendo zela bato. Alors, mutu moko amata likolo, me lwa pesanteur ezali kokanga mutu wana. Oh, akenda kovanda na droite ya père. Tout ça, ezali ndenge mundele alinge kokose na bato, batalaka likolo. Bakanisa ke nzambe azaka na likolo, nzambe azaka. Eloko toko prekonize ezali nini? Yambo nanu nalingaki kaka otange na batelespectateur na biso société oyo teyotanga papa papa kuso wana za makambo na omo otanga kwa setu meza sataniki te kambe umene po sava kameramen na bende na biso George Balandi a komi la vie quotidienne au royaume de Congo. Ah c'est ça. Là c'est pas un problème là. Oh là là. Là dans ça beaucoup de nous soigner. On quand ça beaucoup comme. Donc moi ne dire besoin quand ça beaucoup que ça mystique. Les mystères. Tanga kaka. Mais il faut dire quand même que dans coco on a souvent mystique et d'aller. Mystique c'est que le gars m'a pété hein. Mystère c'est parce que des forces mystiques, les forces mystiques coco utilisées soit positivement soit négativement. Justement c'est ça. OK. Mais parce que bah tu vas pas passer le mystique dans vraiment le non c'est. Non, on a le monde dans le mysticisme. Tout le monde a mon kilo dans le mysticisme. Mais
Linka Kotang et la Bissoua. Je vais aller au Fobénius, mais son lyrisme. Le deuxième paragraphe. Ah, voilà ouais, où tu as souligné. Ouais. Ben là où vous avez souligné. Excusez-moi de vous tutoyer. Bon. Léo Frobenius met son lyrisme au service de cette cause. Plus au sud, dans le royaume du Congo, une foule bruyante, habillée de soie et de velours, de grands états bien ordonnés, et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes, civilisées jusqu'à la moelle des eaux. Cette exclamation admirative fut reprise par André Breton dans sa préface au cahier d'un retour au pays natal du poète Aimé Césaire afin de proclamer la grandeur de l'Afrique perdue. Okay. Oui, qu'Afrique perdue, n'est-ce pas là, quand bah, souverain, on est battant à l'université. Mais bah, lui, bah, souverain puissant, bah, industrie opulente, l'élo et Zali, wapi. Comment on parce que partout, bah, éviter que Nzambe et Zamboussala. Tant que vous considérez ma valeur, vous avez un domaine domaine scientifique. Ce qui est bon, c'est la science. Je ne sais pas si vous avez un domaine scientifique. Mais ce qui est bon, c'est la religion. Parce que la religion, c'est quoi? La foi. Acceptation aveugle des choses. Mais la science, vous allez vivre la réalité des choses. Alors, ce que vous avez un monde, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa Kosuna. Donc, ce que tu as développé, tu as dit que tu la religion, tu as mis la science. Voilà, mais on a toujours dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais il faut que conscience, c'est ça là. On est allé suite à débat pour le vendredi prochain. Vous comprenez? Parce qu'il faut science et que nous disons on a conscience. Alors, si tu as bien, tu as dit que tu as dit que tu as science, mais tu as conscience. Alors, oui, tu as dit que parce que tu as dit que tu retard. Alors, tu as dit que 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 naba bouteillage mito comme si c'est pour filiboso na biso na mususu bakangi kaka il fait le pas ba mabulu. OK, merci beaucoup papa Nkusu d'avoir bien répondu avec d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau. Nous l'avons dit, nous avons débattu aujourd'hui de la question de l'encadrement spirituel des Congolais en vue de leur participation massive et active au processus de reconstruction de notre pays. Et nous allons poursuivre ce débat le vendredi prochain. Nous allons croire que Papa Nkusu sera des nôtres à temps parce qu'il a soulevé un grand problème. Il a dit une vérité. Si nous voulons vraiment développer notre pays, nous devons cesser de nous adonner à la religion. Nous devons plutôt nous adonner à la science. Il peut avoir raison. Mais moi, je dis, évidemment, je ne fais que suivre ce qu'ont dit les grands penseurs de ce monde. Et cela constitue d'ailleurs une vérité. Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Bon nombre de nos compatriotes aujourd'hui ont la science, mais malheureusement, il manque la conscience. Nous devons allier la science à la conscience pour vraiment développer notre pays. Et nous allons en parler le vendredi prochain dans Midiculture. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonne journée à tous. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition de Midiculture. Midiculture qui va recevoir encore une fois aujourd'hui Papa Nkusu qui, vous le savez, était un grand spiritualiste. Avec lui, nous avons débattu
la semaine dernière de la question d'encadrement spirituel des Congolais en vue de leur participation massive et effective au processus de reconstruction de la République démocratique du Congo au notre pays. Nous vous avons promis la suite et la fin de cet entretien aujourd'hui. Eh bien, Papa Nkoussou est là, nous allons poursuivre notre entretien. Mais avant de le recevoir, je voudrais que nous puissions rendre hommage à un grand artiste musicien de renommée internationale qui s'est éteint hier. Il s'agit de Michael Jackson. Michael Jackson qui s'est éteint hier à l'âge de 50 ans. Michael